inaugurer dans les minutes qui vont suivre une usine de recyclage des bouteilles plastiques, une première en République démocratique du Congo lorsqu'on sait que la capitale congolaise est connue comme étant l'une des villes justement les plus productrices de bouteilles en plastique. Aujourd'hui, il suffit de voir toutes les rivières qui jonchent la capitale pour voir des tonnes et des tonnes de déchets plastiques. Et voilà qu'aujourd'hui, grâce à ces consortiums d'entreprises qui ont décidé de monter cette unité de production de recyclage de bouteilles en plastique, Kinshasa pourrait donc se débarrasser un tout petit peu de ces tonnes de matières plastiques qui rendent la ville insalubre. Donc c'est un projet qui participe d'une manière ou d'une autre à la salubrité de la ville de Kinshasa. Voilà qui explique aujourd'hui la mobilisation de plusieurs personnalités avec en tête les présidents de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la ville, la propriété de la ville de Kinshasa, une des priorités de son premier mandat. Et voilà qu'aujourd'hui, donc, grâce à cette initiative privée prise par un consortium d'entreprises publiques pour monter cette unité qui a coûté au total 15 millions de dollars américains. Alors, dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Cette entreprise s'emploie tous les jours à ramasser des bouteilles en plastique qui jonchent nos rivières, qui jonchent nos avenues, et ils viennent les broyer ici pour faire de ces bouteilles des intrants qui participent à la fabrication des bouteilles. On est donc dans cette économie circulaire où rien ne se perd. Les bouteilles sont recyclées pour servir à produire d'autres produits en plastique. Ainsi donc, on se débarrasse de ces saletés au niveau de la ville de Kinshasa. Le projet est tellement alléchant que le président de la République ne pouvait pas ne pas l'encourager. Il vient lui-même couper les rubans symboliques devant les corps constitués. On a vu le Premier ministre, le président des deux chambres du Parlement, de membres du gouvernement et d'autres personnalités pour encourager cette initiative. Merci Giscard Koussema pour ces informations. Wivine Diatta, le président de la République, va venir dans quelques instants. Wivine, les téléspectateurs de la langue Kikongo ont besoin de savoir ce qui se passe ici à Kingabwa. Matunu mingi mpangi Edith Yala, mpangi lusulu betume bakama na quartier Kingabwa, mingi penza na commune ya Limete, kisika nkinzi ya nene ge salama ya kupesa nzila, samu na kusala kompani mosi, ina ya bake banda ku yamba tope kubaka ba milangi ya kupale ya betu nsozaba, milangi ina bako na lamba yao, babi misari yaka milangi ya nkaka, ina dege pesa nzila na kutunga penza, kompanyi ina dizina ya kitoko ya ike pesa nzila ya bana isi na kubaka penza bisalu bevona zabati mbanda Kinshasa na bilumbu lutaka vandaka penza doti mingi na kumona na kati ya bamaza badoti ya bamilangi kwa kusafuluka kasi na mabanza ya mbote ya kompanyi me kusabima ya dizina ya kitoko ya kuyamba penza bamilangi ya ibage banda kulamba yao milangi ya ike kusateka mapenza na babisika mingi bame kusatula penza bakompanyi kisika ya kaka genet ne échangeur tokumele ba mime mona ndambo échangeur ngeme katuka limete ngeme katuka lemba na kusa biman kitoko metu lampi kompanyi na ba opana bake ya mbaya kala ngeme katuka ki ngeme nganda avion ya njili ngeme kuma mingi penza na kingaseni ya suka nesamu na kukuma na komini ya kimbanseke na ndambo ya komini ya masina pe ba metu lampi kontene mosi kisika pana samu na kusumba penza milangi. Milangi ya ikipe sanzila ya kukatula penza doti na mbanda Kinshasa, ina ya bako na lamba yao na bilumbuke kwisa na kusala yao kompani ya Kintoko, Kintwadi na Kinbopeto bagi ya kacha kusala misalu. Yao ina ba mikusaba kama awa bubu yae na nkinzi ya kupe sanzila samu na kumonita penza kompani ya kusala lamba penza milangi. Kansi mamu nyo sebe pisa saba yao na bantangu kena kwisa samu na kutombola bisalu, kompani Kitoko, ke ya bana ya insi penza, na kupesa nzila la bana ya insi, na kusala bisalu, ya kulamba penza, badoti, ya betu nesufana losa, kansi badoti ya ngo ya milangi, bagi kusabimisa ya udiaka, milangi ya nkaka, bonsu beina katawanda bifikula,
yina bage na kati kulamba milangi bage kusala nyata ya udiaka na kulamba yao awa na kati ya kompani Kintoko na quartier Kingabwa betu za bisa beno ti betu me bakama awa ka sinyon su betu na nzambe na mtangu na kwisa me vutu na ndinga dia kana mpange edit ala na kusa tendula beno ndamu na ndinga lumputu bamba betu me kusa yamba mosi mpe ya Kintoko na kutendula beto mpange edit ala. Merci Wivine Diatta pour toutes ces informations en Kikongo. Kintoko, c'est une grande usine qui va voir le jour ou qui a déjà vu le jour, mais qui sera inaugurée incessamment par le président de la République. Nous sommes là d'ailleurs pour cette occasion-là. Et Jérôme Sekana nous a rejoint dans l'entretemps pour nous donner plus d'informations sur ce que Kintoko, ce projet, à quoi tient-il et qui est effectivement l'investisseur qui a dû dépenser autant d'argent pour participer au recyclage de ces déchets plastiques qui, en tout cas, il faut le dire, gênent et perturbent l'environnement en République démocratique du Congo. Jérôme Sekana, vous êtes ici sur les antennes de la Radio-Télévision nationale congolaise. Vous êtes délégué général du groupe Angel. D'abord, ce groupe Angel, qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il fait à Kinshasa? Merci beaucoup, Edith Chala. Le groupe Angel, c'est un groupe industriel au sein duquel vous trouvez Angel Cosmétique, qui s'occupe bien sûr des cosmétiques, mais vous avez Palmco, qui est la plus grande raffinerie de la République démocratique du Congo, qui raffine, tenez-vous bien, 150 000 tonnes d'huile de palme par an. En tout cas, c'est la première en République démocratique du Congo et nous fabriquons non seulement du savon, mais une gamme là, une centaine de d'articles. Et à côté de Palmco, vous avez Food Life. Food Life, c'est une autre usine qui sera inaugurée dans 3 mois, qui va donner de la valeur ajoutée à tous les produits agricoles congolais. Comment nous pouvons exporter ces produits et, par exemple, la chikwang, comment la conserver pendant 6 mois et l'exporter jusqu'aux confins de la terre. Mais aux côtés de Angel, Palmco, Food Life, il y a Okeplast. Okeplast qui fabrique bien sûr des chaises, des PVC, des tables. Il y a plus ou moins 300 articles que nous fabriquons. Maintenant, Kintoko, c'est l'usine des Okeplast. Okeplast a répondu à l'appel du gouvernement. Il vous souviendra, le président de la République avait demandé à ce que tout le monde puisse mettre la main à la pâte pour le développement de notre pays. Et lorsque le gouverneur de la ville de Kinshasa, son excellence Gentini Gombilambaka, a lancé sa vision des Kinshasa Bopeto, eh bien, nous avons décidé d'investir dans le recyclage des bouteilles en plastique. On a commencé d'abord par signer un partenariat, une convention de partenariat avec la ville, et puis voilà. Jérôme Sekana, nous allons revenir à vous. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vient donc de faire son entrée dans ce grand espace de Kintoko, où il va procéder dans quelques instants à l'inauguration de l'usine de recyclage des bouteilles plastiques Kintoko. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en personne, a voulu apporter son appui, son soutien à cette établissement qui va participer à la réduction de la pollution de la ville de Kinshasa, les rivières qui débordent quelquefois de leur lit habituel. C'est à cause de plusieurs bouteilles. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, donc très décontracté, vient donc d'arriver à cet endroit. Il salue le comité d'accueil restreint conduit par la vice-première ministre de l'Environnement F. Bazaïba, le gouverneur de la ville de Kinshasa, les officiers militaires et les responsables de l'entreprise Kintoko, dont le travail est aujourd'hui mis sur la place publique par la télévision nationale congolaise avec l'inauguration de cette grande usine, une usine qui va participer, comme je le disais tantôt, aux efforts que le gouvernement de la République est en train de fournir pour donner à Kinshasa un milieu vivable, un milieu complètement épargné de la pollution due
aux bouteilles plastiques qui sont en tout cas par centaines de millions, pour ne pas donner les chiffres, avec une grande ville comme Kinshasa, plusieurs déchets par jour, parmi lesquels les déchets bouteilles en plastique. C'est une entreprise qui mérite bien le soutien du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est donc là, en train de venir s'installer où le protocole a prévu pour lui le siège. Félix Antoine Tshisekedi, qui lui-même se déplaçait, il est le premier chef d'État congolais à participer à la première COP, en tout cas COP 26. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est très engagé dans les questions environnementales, s'est déplacé personnellement pour porter la voix de la RDC comme pays solution aux problèmes environnementaux qui tourmentent le monde. Le chef de l'État salue bien entendu le président du Sénat, Modeste Mbathi Lukwebo, et tous les autres chefs de corps installés ici. Nous allons laisser place à Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, honorable Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. La cérémonie de ce jour est celle de l'inauguration par Votre Excellence de l'usine de recyclage des bouteilles et déchets plastiques dénommée Kintoko, située à Kinshasa, Kingabwa. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans les minutes qui vont suivre, avant la coupure du ruban symbolique marquant l'inauguration officielle de l'usine Kintoko par Votre Excellence, nous solliciterons votre autorisation pour inviter les personnalités ci-après pour leurs mots de circonstance. Il s'agit de Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, de Monsieur le Directeur Général de Kintoko, Ok Plast, et trois, enfin, Madame le Vice-ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour le mot de bienvenue. Monsieur le Gouverneur. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur les ambassadeurs et représentants diplomatiques, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement de la République, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs, les responsables des entreprises et établissements publics et privés, Mesdames et Messieurs, les bourgmestres, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je tiens à vous saluer chaleureusement et à vous exprimer en même temps ma gratitude pour avoir répondu positivement à l'invitation qui vous a été lancée afin de prendre part à cette cérémonie officielle d'inauguration de l'usine de traitement
et recyclage des déchets plastiques construite par la société OK Plast. À ce sujet, je voudrais rappeler à votre aimable attention que le programme quinquennal du gouvernement provincial de Kinshasa 2019-2023, dont l'objectif ultime est de faire de Kinshasa une mégapole attractive, résiliente, rayonnante et attrayante, où il fait bon vivre, corrobore avec la vision « Le peuple d'abord », véritable leitmotiv de l'action de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Il n'est pas nécessaire d'être un grand observateur pour se rendre compte, d'une part, de l'envahissement du plastique dans le mode actuel de consommation et de l'autre, de ses effets perturbateurs, voire dévastateurs sur l'écosystème. Comme nous pouvons tous le constater, il s'observe malheureusement que dans l'économie actuelle, hélas, le plastique prend de plus en plus de la place dans notre mode de consommation. En effet, les brasseries, les producteurs de boissons gazeuses, les usines alimentaires, pharmaceutiques et autres se servent du plastique comme emballage en amont, lesquels après usage jonchent de façon préoccupante notre environnement. Concrètement, à cause de l'incivisme environnemental, le déchet plastique obstrue les caniveaux, tue les végétations, pollue les rivières, occasionnant ainsi des inondations et d'autres sinistres. Ainsi, pour pallier à cette situation, j'ai imprimé à l'exécutif provincial un schéma rationnel de gestion des déchets fondé sur des axes essentiels, à savoir 1. L'assainissement de la ville. 2. La promotion de l'économie circulaire qui privilégie les 3 R, c'est-à-dire ramasser, recycler pour valoriser, réutiliser. Les déchets étant de nos jours une ressource de revenus et non de nuisances, 3. Le partenariat public-privé PPP en cycle. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Bien conscient de la lutte permanente contre les déchets plastiques, requiert non seulement des moyens conséquents, mais aussi une expertise avérée. Nous avons eu recours au partenariat public-privé avec un partenaire qui nous garantit une gestion intégrée et efficace des déchets plastiques sur toute la chaîne, partant de la production en passant par la collecte, le recyclage, la valorisation et la réinjection sur le marché. C'est ainsi que j'ai signé en date du 20 novembre 2020 avec le partenaire OK Plast un protocole qui sera suivi d'une convention de délégation de services publics, des collectes et des valorisations des bouteilles plastiques PET en sigle dans la ville de Kinshasa. L'article 4 de cette convention dispose que les services délégués consistent dans les prestations ci-après. La mise en place des activités de collecte des bouteilles plastiques PET et de la sensibilisation sur les normes environnementales à l'attention des populations de la ville de Kinshasa. La mise en place des points d'achat d'emballage plastique, conteneur Kintoko. La mise en place d'une usine de valorisation des bouteilles plastiques PET. Aujourd'hui, je me réjouis de l'aboutissement heureux de ce projet qui cadre avec Kinshasa Bopeto le cheval de bataille de mon mandat à la tête
de la ville de Kinshasa. C'est pourquoi j'ai accordé à Hockey Place les facilités administratives et fiscales. J'ai mis à sa disposition 100 terrains de collecte ou d'achat de bouteilles plastiques, dont 33 sont déjà opérationnels. J'assure la sécurité de ces sites sélectionnés pour la mise en œuvre du projet. J'analyse et valide en temps utile le plan opérationnel mais transmis par la société Hockey Place. En contrepartie, la ville de Kinshasa bénéficie d'une redevance équivalente à 1% du montant total des dépenses engagées pour l'achat des bouteilles plastiques PET ramassées. La durée de ce contrat est de 20 ans. Excellences, Monsieur le Président de la République, cette usine que vous allez inaugurer aujourd'hui rejoint votre vision le peuple d'abord. Car, en effet, la plastique ainsi maîtrisée devient non seulement une source de revenus pour un bon nombre de Kinoises et Kinois, mais aussi une opportunité d'emploi pour notre jeunesse, tant aux différents points de collecte Kintoko, aménagés aux quatre coins de la ville, qu'à l'usine Hockey Place, où s'effectuent les recyclages. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités et respectifs, tout protocole observé. Pour terminer, je vous avoue ma fierté pour le projet Kintoko, dont l'évolution positive se situe déjà bien au-delà de mes premières attentes. C'est pourquoi je félicite la population kinoise pour son soutien et son accompagnement actif à cette initiative en appui à Kinshasa Bopeto. Je félicite enfin la société Hockey Place pour le sérieux qu'elle met dans l'accomplissement de ses obligations et l'encourage vivement dans la réalisation des objectifs que nous nous sommes assignés dans le cadre du partenariat fructueux qui nous lie. Cela est à notre portée et j'y crois fermement. Longue vie au partenariat Ville de Kinshasa Hockey Place. Que Dieu bénisse la ville de Kinshasa, la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. Le gouverneur de la ville province Kinshasa vient donc de présenter les acquis de ce nous projet. Invitons, monsieur le directeur général de Kintoko, Hockey Place, pour son intervention. C'est un projet qui fait beaucoup de bien à la ville de Kinshasa. Le gouverneur l'a reconnu et donc c'est un partenariat pour 20 ans et nous espérons que dans ces 20 ans, Kinshasa Excellence, être... Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, honorable député et sénateur, Excellences, Monsieur le Ministre, membre du gouvernement central et provincial, Excellences, Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, distingués invités, à vos titres rangs et qualifiés respectifs, tout protocole observé. La date de ce jeudi 14 avril 2022 restera gravée en lettres d'or dans les annales du groupe Angèle, qui compte en son sein quatre grandes entreprises industrielles, à savoir Angèle Cosmétique, spécialisé dans le sanitaire et le cosmétique, Palmco et Food Life, deux géants dans l'alimentaire, et Hockey Place avec son usine Kintoko qui sera inaugurée à ce jour. Spécialisé dans la fabrication et le recyclage des produits plastiques. Excellences, Monsieur le Président de la République, votre présence parmi nous en ce jour mémorable, ainsi que celle de tous les membres du gouvernement ici présents, sans oublier celle de tous les invités, est un signal fort qui traduit le nouvel élan que vous avez insufflé sur le partenariat public-privé depuis votre avènement à la tête de la République démocratique du Congo. Nous profitons de cette opportunité pour saluer ainsi les efforts inlassables fournis par le gouvernement central pour faire de la République démocratique du Congo un pays solution face aux enjeux climatiques de l'heure. Nous remercions en passant Son Excellence Madame la VPM Eve Bazaïba,
qui a accepté d'être la marraine du projet Kintoko. Nous tenons à remercier vivement son Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Gobilambaka, dont la vision Kinshasa-Bobeto est à l'origine du projet Kintoko. C'est dans cette optique que le groupe Angèle, à travers Okeplast, a investi plus de 15 millions d'euros dans la construction d'une usine moderne de recyclage des bouteilles plastiques en PET. La deuxième en Afrique après celle installée au Nigeria, sans compter d'énormes capitaux engagés dans la campagne de collecte et compactage des bouteilles plastiques, dans le but de collecter et recycler les déchets plastiques, à savoir les bouteilles plastiques PET pour rendre la ville de Kinshasa propre, plus belle en lingala, Kinshasa Kitoko, d'où l'abréviation Kintoko, grâce aux machines issues d'une technologie innovante de dernière génération. Participer à l'effort national de promotion d'une économie locale dynamique et circulaire à travers, d'une part, la création des emplois et la formation de la main-d'œuvre locale en matière de recyclage des déchets plastiques. Et d'autre part, participer à l'éclosion de l'esprit d'entrepreneuriat dans le chef de la jeunesse. Préserver l'environnement, l'écosystème, la biodiversité, la faune, la flore, le paysage, contre la dégradation écologique provoquée par les déchets plastiques abandonnés, ça et là, dans la ville de Kinshasa. Offrir de manière durable, si par pérenne, à la population kinoise un cadre de vie saine, salubre, hygiénique, agréable, confortable, où les maladies et les risques sanitaires liés à la dégradation de l'environnement provoqués par les déchets plastiques seront limités et la santé des citoyens préservée. Faire bouger et changer les mentalités, les habitudes quotidiennes des femmes et hommes congolais de tout âge, non seulement en les sensibilisant, en les impliquant dans la lutte contre la dégradation écologique consécutive à la mauvaise gestion des déchets plastiques, mais aussi en les amenant à poser des éco-gestes pour zéro déchet dans les ménages dans la ville de Kinshasa, et ce, dans le souci de renforcer la prise de conscience collective en matière de l'assainissement, de la salubrité publique, du recyclage des déchets plastiques, etc. Aujourd'hui, Kintoko ramasse 25 tonnes de bouteilles plastiques par jour et avant l'intention de monter en puissance jusqu'à 50 tonnes. L'usine Kintoko a la capacité de traiter 50 tonnes de bouteilles plastiques par jour, nous disposons déjà d'un stock de 5000 tonnes de bouteilles plastiques compactées qui seront recyclées dans l'usine Kintoko. L'idéal pour nous est de produire des intrants PET en quantité industrielle ici au pays pour économiser les devises, mais aussi satisfaire la demande nationale en intrants PET issus du recyclage. Nous le ferons progressivement car cela demande non seulement des moyens mais aussi du temps. La ville de Kinshasa a besoin de 5 usines de ce même type pour recycler tous ces déchets. Voici pourquoi nous avons grandement besoin de l'accompagnement du gouvernement pour y parvenir. L'assainissement de l'environnement est une affaire de tous. Je vous remercie. Vous comprenez donc la pertinence de ce projet, ce qui est déjà fait et ce qui va être fait avec nous invitons ce projet. Madame le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, pour son allocution. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement central et chers collègues, honorables députés provinciaux, Excellences, Monsieur le Gouverneur de la ville province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les directeurs chefs de service, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques au développement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectives. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prononcer ce jour
le mot à l'occasion de l'inauguration de cette usine de recyclage des déchets plastiques, un projet de la société Okeplast installée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'aboutissement de cet investissement est le fruit de la détermination du gouvernement à promouvoir les partenariats publics et privés et à la mise en place de cette unité constitue pour nous, acteurs d'assainissement, une des solutions majeures aux problèmes criants de l'inefficacité des mécanismes mis en place pour la gestion des déchets dans notre pays. Je voudrais humblement rappeler que depuis mon accession à la tête de ce ministère, en tant que vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et du développement durable, j'ai inscrit l'assainissement de l'environnement comme une des priorités de mes actions conformément à la mission qui m'a été confiée par le gouvernement de la République et qui a mis un accent particulier sur le développement social et économique de la population congolaise. Car le développement d'un pays, c'est aussi et surtout un corps sain dans un environnement sain. L'assainissement est un secteur vital qui contribue au bien-être social de la population du fait qu'il réduit sensiblement l'incidence des maladies parasitaires et crée un environnement favorable pour le développement des communautés. Raison pour laquelle notre pays a souscrit à plusieurs engagements en rapport avec l'assainissement de l'environnement afin de permettre et de mettre à l'abri la population congolaise contre les différents fléaux ou les maladies qui peuvent survenir de suite de l'insalubrité. Excellences, distingués invités, valorisation des déchets demeure l'une des questions à laquelle les différents gouvernements du monde n'ont pas encore trouvé des réponses efficaces et définitives. La République démocratique du Congo en fait partie, tente depuis quelques années de trouver des solutions idoines à ces problèmes, car la seule ville de Kinshasa produit environ 10 000 tonnes de déchets par jour qui doivent être recyclés. Dans la recherche des opérateurs économiques, partenaires techniques financiers capables de relever les défis de l'insalubrité qui gangrène notre pays, surtout la ville de Kinshasa, chef-lieu des institutions, notre ministère a trouvé un partenaire de taille. Il s'agit de la société Okeplast du groupe Angel Cosmétique, capable de compacter, traiter, recycler et transformer les déchets plastiques usés en matière première, permettant de souffler les nouvelles bouteilles réutilisables dans l'industrie des boissons notamment. Cette entreprise se présente comme une alternative efficiente à la gestion des déchets plastiques et autres déchets non biodégradables. Avec ses 22 points de collecte installés dans la ville de Kinshasa, elle est en mesure de collecter et compacter à ce jour jusqu'à 25 tonnes de bouteilles plastiques par jour. Et cette gigantesque usine moderne que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, va devoir inaugurer aujourd'hui, à la capacité des standards internationaux, une première en Afrique centrale et la deuxième du genre. Elle est capable de recycler à l'infini plus de 50 tonnes de bouteilles plastiques pètes par jour. Au vu de l'aspect de la, au-delà plutôt de l'aspect de la protection de l'environnement, cette initiative contribue aussi à la création d'emplois, la réduction de la pauvreté et la lutte contre le chômage par l'encadrement des jeunes désœuvrés, communément appelés Luna. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre présence à cette cérémonie est l'expression de la détermination du gouvernement de la République à travers votre vision par le biais de notre ministère
à devoir développer un système durable et efficace de gestion de tout type de gestion des déchets. J'ai saisi ce moment pour exprimer ma profonde gratitude aux dirigeants de Okepas pour cet investissement qui a coûté plus de 15 millions d'euros dans le secteur d'assainissement. Je loue ce partenariat gagnant-gagnant qui est basé sur l'apport technologique qui permet de renforcer la gestion des déchets plastiques et par cette même occasion, j'exhorte les gestionnaires de cette usine à partager leur riche expérience avec les autres opérateurs économiques actifs dans le secteur de l'assainissement par la transformation des déchets en pavés, en briques, en PVC, en charbon écologique, etc. afin de leur permettre d'agrandir leur ligne de collecte et de production. Excellences, distingués invités, investir dans le secteur d'assainissement offre de grandes opportunités de générer des bénéfices dans les affaires. Ceci n'est plus l'affaire de seul pouvoir public. C'est pourquoi j'invite les autres opérateurs économiques d'emboîter les pas des autres places afin d'investir dans ce secteur d'économie circulaire, étant donné que dorénavant, les entreprises et les ONG, organisations non gouvernementales, qui œuvrent dans le domaine de la protection de l'environnement et du développement durable, essentiellement le volet assainissement, peuvent compter sur l'accompagnement du gouvernement de la République conformément à l'option levée lors de la 48e réunion du Conseil des ministres. Cette décision a été sanctionnée par la mise en place d'un cadre de collaboration entre le ministère de l'Environnement avec le ministère du Budget et celui des Finances pour octroyer des facilités d'accès à des marchés publics et privés, l'accès à des tarifs préférentiels afin de les encourager à poursuivre leurs activités qui contribuent au développement durable et à l'économie circulaire dans notre pays. Je lance donc un appel à tous, à tous nos compatriotes, afin d'accompagner la société Okeplast pour la réussite de cette initiative. Il s'agit d'un engagement de tous pour une gestion rationnelle de tous les déchets ménagers, afin que désormais, aucune bouteille plastique ne soit plus jamais jetée dans nos rues. Que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, trouve par ces mots ma profonde reconnaissance pour son accompagnement à la tenue de cet événement qui, à coup sûr, va être dupliqué dans plusieurs villes de notre pays. Ma gratitude, ma profonde gratitude, c'est aussi à l'endroit de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, coordonnateur de l'action du gouvernement, pour son engagement et son appui en vue de nous permettre à réussir notre action au sein de ce gouvernement des Warriors. Je remercie également la Fédération des entreprises du Congo, la FEC, pour son implication dans l'organisation des échanges et la mobilisation des opérateurs économiques à investir dans le secteur des déchets en général et en particulier le recyclage des matières non biodégradables ainsi que les innovations y afférentes. Je ne saurais finir ces mots sans réitérer à toutes et à tous mes sincères remerciements pour la forte mobilisation et la participation active à cette cérémonie. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'est donc bien dit par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, qui a détaillé les avantages que peut trouver la République. Nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à l'inauguration de l'usine Kintobu et de visiter la chaîne de recyclage des bouteilles et des déchets plastiques. À cette étape, le chef de l'État se fera accompagner de Monsieur le Président du Sénat, de l'honorable Président du Sénat,
Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs et Mesdames les membres du gouvernement, les membres du cabinet du chef de l'État, les mandataires des entreprises privées et publiques, les officiers généraux des FRDC et de la police nationale, le directeur général et les staffs techniques de la société Kintoku, le gouverneur de la ville de Kinshasa et de Monsieur le bourgmestre de la commune de Limité. Voilà, le geste tant attendu va être posé par le président de la République en quelques instants. Il va couper le ruban symbolique qui inaugure donc cette usine de très grande ampleur. On a dit qu'elle est deuxième en Afrique et première en Afrique centrale. C'est une grande fierté d'abord pour la République démocratique du Congo, un pays aussi grand. Il faudrait bien que les usines qui s'y trouvent soient aussi des plus grandes usines. Un pays avec plus de 2 millions de kilomètres carrés, avec une population qui atteint les 5 millions d'individus. Il est donc important que nous soyons à la tête de cette Afrique avec des usines de cette nature. Cette économie recycle, cette économie circulaire dont on parle, le président de la République y tient beaucoup. On a rappelé la décision de la réunion du Conseil des ministres, en tout cas la 46e, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement l'a rappelé. Il faudrait donc que des facilités soient accordées à ce genre d'investissement et d'investisseurs qui se lancent en République démocratique du Congo, où les efforts pour l'assainissement du climat des affaires sont en cours et sont donc très appréciables. Il faudrait donc profiter de ces opportunités et les responsables de Hockey Plast sont les premiers à sauter sur cette occasion. Jérôme Sekana, vous qui êtes délégué général de ce groupe Angèle, l'investissement est là, les résultats sont palpables, tous les intervenants ont repris les différents avantages qu'offre cet investissement en République démocratique du Congo, mais une question me vient à l'esprit, d'ici quelques années, peut-être qu'on verra dans Kinshasa, on verra Kinshasa complètement assaini, sans bouteilles en plastique. Mais est-ce qu'il est possible d'envisager qu'en province, il y ait ce même effort pour que nos villes, à travers le pays, soient complètement débarrassées de ces bouteilles qui gênent l'environnement? Effectivement, c'est une grande première, non seulement en République démocratique du Congo, mais en Afrique centrale, parce que l'usine que le président de la République vient d'inaugurer est la deuxième du genre après celle qu'on trouve au Nigeria. Cette usine va permettre de recycler les bouteilles en plastique PET. Vous avez entendu son Excellence, Madame la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, a dit que la ville de Kinshasa produit 10 000 tonnes de déchets, des ordures ménagères. Et dans les 10 000 tonnes, vous avez plus ou moins 30% des déchets plastiques, notamment des bouteilles en plastique. C'est pour recycler ces bouteilles qui constituent un véritable danger pour l'environnement et même pour notre santé, parce que c'est à la base des érosions que cet investissement lourd de 15 millions d'euros a été fait. Cette usine a été installée à la suite de la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiné Gombilambaka, qui avait lancé l'opération Kinbopeto. Et comme Kinbopeto a comme créneau la propriété, rendre à la ville de Kinshasa ses lettres de noblesse pour qu'elle redevienne Kinlabel, eh bien, le groupe Angèle a décidé à travers Hockey Plast d'investir pour que les bouteilles en plastique qui sont jetées ne puissent pas constituer un danger environnemental, mais aussi une opportunité d'affaires, une source de revenus pour le jeune, mais également pour permettre à notre pays de s'inscrire dans les efforts que toutes les nations civilisées du monde fournissent pour l'amélioration des conditions environnementales, c'est-à-dire la limitation du réchauffement climatique et tout ce que vous pouvez vous imaginer. Donc, c'est une très bonne chose dans la mesure où, déjà, en une année des campagnes Kintoko, nous avons déjà réussi à mettre en stock 5000 tonnes de bouteilles en plastique compacté, et l'usine a la capacité, comme on vous l'a dit, de pouvoir traiter 50 tonnes par jour. Cela veut dire que
c'est une goutte d'eau dans l'océan. Pour la ville de Kinshasa, on doit avoir plus ou moins 5 usines de ce genre. Et les gens se posent la question de savoir à quoi sert exactement cette usine. Vous voyez ce qu'il y a devant nous là, ce sont des ballots, des bouteilles en plastique compactées. Ce que nous avons ramassé dans nos rues, dans nos égouts. Donc nous avons réussi à débarrasser la ville de Kinshasa des 5000 tonnes de ces bouteilles-là. C'est ça la matière première. Cette matière première est amenée dans cette usine pour être recyclée, comme vous le voyez dans la chaîne, et donner in fine ce qu'on appelle des granulés PET. Les granulés PET, ce sont des matières premières que nous importons aujourd'hui à l'étranger. Nous importons ça de la Chine, du Brésil, de la Turquie, de l'Inde. C'est plus ou moins 2000 tonnes le mois. Ces matières premières-là coûtent extrêmement cher, ça coûte des millions à tous ceux qui fabriquent des bouteilles ici. L'objectif, c'est quoi? Au lieu d'importer les 2000 tonnes, cette usine va commencer à produire les mêmes intrants sur base des bouteilles recyclées. Et c'est-à-dire les granulés PET qui vont permettre aux entreprises locales ici de pouvoir fabriquer ce qu'on appelle les préformes. Les préformes, ce sont des pièces en plastique que les embouteilleurs soufflent dans leurs machines pour donner forme à toute forme de bouteille plastique. Donc, c'est ça le sens de cette usine. Merci Jérôme Sekana pour toutes ces informations. Nous vous retenons encore un moment parce que vous allez devoir expliquer en Lingala. Quand Mami Mambouini prendra ce micro, le président de la République est donc en train de poursuivre sa visite dans cette usine conduite par le responsable de Kintoko. Et Kintoko, il est donc en train de suivre religieusement ce qui se passe, par quelle procédure passent ces bouteilles ramassées pour arriver à ces granulés dont venait de parler tout à l'heure Jérôme Sekana. Wivin Diata, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi est donc en pleine visite. Étape par étape, il est en train de s'enquérir, de recevoir les informations sur comment procède Okeplast ou Kintoko pour arriver à la production de ces granulés réutilisables pour produire les bouteilles ici à Kinshasa. Matunu mingi mpange di tchala, bon songe me katoa kutuba, pe kumonisa ya, mpange li zolo. Yame kumantango ya kutala na bifikula, kisika mfumu ya insike tambula na kumona na meso, kompani ya Kintoko. Yayi ya kele bonso ya mtete, na kati ya central, na kumona kompani ya mtindu yayi, ya kubalamba mamilangi ya kopal, wapi ya na kati ya kutala yao, kintuadi na ntuadisi ya disuku ya Zulu, batu kwebo, kwela teaka mfumu ya luyalu Jean-Michel Sama Lokonde Kenge, Meba kama na kati ya kompanya ipena bantu aluyalu kilandi ya mfumu aluyalu pe mbuta aluyake talaka mambu ya environment mama bazaiba kele mpepana na kumbakama na kumonisa ting yina kele milangi bame lamba of deja peke muna kuto kumona na difikula milangi ya kopal bame lamba yao yao miyokuma mambu maya fioti fioti yao inabagi na kati ya kumonisa na mfumu ya insi samu na kusa lamba yao ya kuyokuma milangi. Il y a des gens qui ont fait des choses, il y a des gens qui ont fait des choses, il y a des gens qui ont fait des choses, il y a des gens qui ont fait des choses, il y a des gens qui ont fait des choses, il y a des gens qui ont fait des choses, il y a des gens qui ont fait des choses, il y a des gens qui ont fait des choses, il y a des gens qui ont fait des choses, il y a des gens qui ont fait des choses, na kusala mba penza milangi yai jantili ngo bilamba kame kisa tindula tiyateleka kuwakana ya mbote na kati ya kompanyia nyo suzole bao kwenye kusasala penza bisalu na bao mfula makumi zole ya mvimba samu na kuisa kutobula bisalu anwe kusala kutula matondo na mba na manda Kinshasa na mtima mkusa ndima mpe na kutobula bisalu yai ya kutula bunkete na ndabu ya kakateje ya Kintoko Okeplast kompanyi ya mkisa sabisa ti compagnie il me coûte ça pas millions de dollars il y a bah euros sur la tuba millions d'euros qui était sur un cam y a combien de temps nous y a vingt bah sur la tuba bah millions combien de temps y a bah euros ça me coûte ça c'est la bissalou y a une nous c'est y a une anzila y a une bissalou
environnement qui est un peu plus que ça peut être un peu plus que ça peut être un peu plus na lumu mosi ba ku sabimisa ba ton makumi zoli na tanu ya vimba ya badoti ya yi ya milangin ya mekusa mulna bon se metu mana inwa ya DG ya kitoko na ndambu ya kilandi ya mfumo lwa alpembu tlaka tlaka mambu ya kuzinga pene pene mama bazaiba mekusa zabisa ti na ki kitene ke fumu animendi ma na ku telemina kumanga mambu ya doti yani sala timbanza kinchasa kona zinga na bunkete na kumonita penza ba milu kumi ya batone ya kati ambaza Kinshasa sa mna inkive na kutula ba bunkete na hivyo na sabati ba bisika ya ime kusabakama mingi penza baka kantini ya itope ba kontener me kusabakama bisika mingi na mbanza Kinshasa sa muna kuyamba pe kusumba mambu ya kutula bunkete kepe sanzira ya bana Kinshasa na kuenda penza kubikisa ba milangi ntanga boke kusasumba penza yoke pesa nzila na kupaka mwake kupaka mwandambu ya mbongo ya bau samu na kutula na posi pe yoke kusakula mbanza Kinshasa na kutula bunkete bonso be na kati ya kumona ina kele DG ya kompani OK Plus Kintoko yokusa tendula na mfumi ya insi pesa antoine seke chilombo mutindu bagi na kati ya kusela bisalu baba be yoke kusa pesa nzila na bana insi na kupaka mpe bisalu na kumanga mambu ya imbi beti kusa tendula benono na matanga wane na kusa mekutu na ndinga na pange editi ya lampa mbabe kintuwa dina mamima mweni beti kusa tendula beno ginsi ya ngoe genu tamutimu ya buku yae na kase kingabwa na komini ya limete editi ya merci Wivin Diata. Vous êtes donc là en train de suivre avec le président de la République qui lui est en train de visiter cette usine, les différentes étapes du traitement de ces bouteilles ramassées à travers la ville de Kinshasa. En même temps qu'on débarrasse la ville de ces bouteilles, on produit les granulés qui épargnent certaines sorties de devises. Et ces granulés, vous avez vu le président les toucher à un moment pendant qu'il était en train d'évoluer. Ces granulés permettent à la fabrication de ces préformes. Ce sont ces préformes auxquelles on donne les formes des bouteilles, des différentes bouteilles dont les utilisateurs ont besoin, à quelques dimensions que ce soit. Ces préformes permettent ainsi donc que les bouteilles reçoivent les formes voulues par l'utilisateur. Ces préformes sont fabriquées ici, en République démocratique du Congo, par les granulés qui étaient importés. Désormais, avec la production de ces granulés sur place, ce sont des millions de devises qui seront retenues au pays. Et ainsi, l'économie va être davantage solidifiée. C'est une vision. C'est un investissement qui permet ainsi au pays de se rendre davantage solide et moins vulnérable aux causes exogènes qui impactent négativement l'économie nationale. Voilà donc, ce genre d'efforts ne pouvait pas passer inaperçu. Ça ne pouvait pas laisser le président de la République indifférent. Il s'est donc déplacé pour venir voir ce qui s'y déroule, mais surtout encourager les responsables de OK Plus qui ont mis en place cette usine de recyclage de bouteilles plastiques ramassées sur la ville de Kinshasa, Mami Mambouine. Merci beaucoup, Edith Chala. Il y a selon des mots pour la Nana Bilili, mon cambécolo Félix Antoine Tiseke du Chulombo, à Outibongo, Kokata Riban, Sika Azalina Katia Izine, Kotambola, Isika Massine, Ndenge Ndenge, Ezwami, Pona Kosala, Mosala et Izine Kosala, Nabandi, Bandeko Balandi. Donc, tu as dit que 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 tu as dit na compagnie as dit que tu 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 as dit Bosoto, awa oyongumba mokondi Kinshasa na yango. OK Plus ndenge boko landa na bilili Félix en fait c'est que chilonda chilombo azali bongo ko landa ndimbola eye DG tope mokambi ya compagnie ena OK Plus azali ko pesa na ndimbola na mokambi ko Félix Antoine Tshisekedi Chilombo milangi eye bako bwaka kape bazali ko lokota eye kati na usine eye bako lamba yango matière première oyo ko bimisa eko zongisa lisusu milangi na ndenge ezala ki liboso na yango tango iso bilenge bazali kolokota milenge bazali koyana ngo na bisika iye epona mapo na kotika simande
usine et boy bate usine yango et tongami na mosolo moye mobimi pene pene na million zomi na mitano ya euro ne etongi usine et wana ezali ya ibale kati na bikolo bia mokili mo Afrika kasi ezali usine ya yambo kati na ikolo ya Afrika ya kati to pe Afrique centrale ndenge bokolanda kati na bilili Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na gouverneur yango mokondi Kinshasa pe bakambi ya mbula matari bazali sikana kati kotala bisika ndenge na ndenge ba masini ezali kolamba kobalola kobongola milangi oyo tomonaka na babalabala oyo tondi okati ya batalase ezali kotia bosoto yango ba mokondi Kinshasa ezali kokanga batalase mayele mai maleka na mazali te kasi talaka biyano bisili bongo kozwama milangi mina ezali sikana motuya tango lokoti yango omemi yango esika e bazali kosomba bakomeka na kilo pe kilo moko bazali koteka yango na mosolo moko ya franc congolais to pe 100 francs congolais ndenge bazali komona etuluku ya milangi etondi kati na usine e wana yango bakolamba yango sikoyo bakobongola yango matière première ekopesa nzela ete na nzela oyo bakobongola yango ekobimisa pe lisusu motuya ya milangi ewana pe bakosalela yango susu milangi ya sika oyo kopesa nzela na bana yango bamokondi Kinshasa ya solo ezali likambo ya sengo po ya population ya commune ya limete mingi mpenza bayeba zwami kati na Kingabwa tokomona kabilenge biike bazali awa na Kingabwa izam ezala pe na Yaoundé bazali awa mosala mozali te kasi talaka usine oyo etongami ekozala malamu mpona bilenge banso bayeba zwami na Kingabwa ezala na izam ezala na Yaoundé bango bakoya awa na izini kokuzwa mosala mpona kopesa bango mosala na tina na botomboli engoma mokondi Kinshasa mpona nite République démocratique ya Congo ndenge bokomona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atamboli bisika ndenge na ndenge ba masini ena ezali okati ya izini eye mpona kolanda ndimbola ya DG ya Okeplast wazali kolimbola na mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lolenge misala mikosalema okati ya izini eye wana kasi boye baite gouverneur ngoma mokondi Kinshasa Jean-Tiningo Bilambaka likamboli na pelisi pelisi ye alobi ete ya solo Okeplast eyeko pesa ye maboko mpona bosukisi bosoto awa ngoma mokondi Kinshasa bongo vice premier ministre ya ministre moyenge misala ya environnement mama Eve Bazaiba ye pe lokola azwaki maloba na maloba maye asepeli mingi na likanisi ya Okeplast oyo ezwi mpona bosilisi mingi bosoto aya ngoma mokondi Kinshasa ezali kaka bosoto te kasi soki bosoto eleki yango ekopesaka bokono ndenge na ndenge yango mama F Bazaiba akumisi pe apesi longonia na kompani iye lolenge bayekosunga ngoma mokondi Kinshasa ekolo Congo démocratique na tina na bokitisi motango ya kufa oyo ekoyaka na nzela ya bosoto oyo ezali koboma bayimboka ngoni mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atamboli kati ya usine ewana atali masini ndenge na ndenge oyo ezali kosala mosala ya kolamba milangi oyo tobwakaka tomeli mai tobwaki molangi tomeli ju tobwaki molangi kasi molangi mona ezali mpenza na motuya talaka mosala yango ekosala awa oyenguma mokondi Kinshasa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na bakambi ya mbula matari batamboli na kati batali ba masini ndenge na ndenge batali bisika oyo misala ezali kosalema okati ya kompani ewana ya solo ezali likambo ya esengo mingi pamba te Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye afongolaki maboko ezala bapaya bayebaligi koya kosala mosala na ntina na botomboli nkita ya ekolo Congo démocratique mokambi ekolo alobaki ete maboko mazali polele akoyamba moto nyonso azali na likanisi linzenga na ntina na botomboli nkita ya ekolo Congo démocratique na ntina na boluki bomengo lokola mpe bolamu ya bayimboka mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afongolaki maboko maye ezala pe bana ekolo Congo démocratique bayebazali na makanisi kitoko na ntina na kotonga ekolo ya biso boyei bolamu bafongoli maboko po ete banso elongo koya kotia libanga na ntina na botongi république démocratique ya Congo ekolo ya biso oyo ezali bongo ekolo enene oyo etondi nkita ezala na mabele lokola pe na se ya mabele ezala na mazamba lokola pe na kati ya bibale république démocratique ya Congo ezali ekolo oyo nzambe apesa pe ya pambola yango na ntina ete peuple congolais bazala malamu basepela na bomengo oyo nzambe apesa kati na ekolo ya biso république démocratique ya Congo nasolo tomoni wana mokambi ekolo asili bongo kotambola kaka na kati ya usine azali kozwa bandimbola ndenge na ndenge
Ezalana, ministre, vice-premier ministre, ministre Mouyang Elimambi, mais environnement, maman Eve Bazaïba, ou Azali Kotalisa, ma Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Penza, Motuya ya Izine Ewana, ya Solo, Ezali Izine Oyo, et Yeipi Susu, Kosukisa, Tope Kosilisa, Somele, ou Mabele Maingouma Mokondi Kinshasa. Bilenge o bozali nzoto kolongono talaka izini nene yango ezali katta esika oyo kozala goyi goyi te kasi mi pesa natina na kosala mosala mpo eto ezali koloba soki moto asalite akolia te esengeli moto atelema asala mosala mpo na ye kozwa lipa mpo na ye kozwa mai soki okangi maboko okozwa eloko te kasi soki osali mosala okoyeba na kozwa oyo ezali ya motuya talaka izini yango ezali monene pe misala mitondi miike. Eh bilenge ya Kingabwa talaka libakuli nzenga po ya bino boze la te ba yeba kouta mosika kasi bino mokonano bana ya Kingabwa bomi pesa koya kosala mosala na tina na kozwa mwa mpata tobo alomea na ebikeli esika insobie bozwami ndenge boko landa kintoko kintoko eye penza po na kosukisa lisusu kosilisa oye talibo soto oye nguma mokondi Kinshasa bango bazali na boyokani na kin bopeto tope Kinshasa bopeto oye zali kokambema na gouverneur ya nguma mokondi Kinshasa Jean-Tini Ngobilambaka ndenge bokolanda milangi yango wana basili konika yango sika ezomi okati ya bamasini masini oye zali kolamba ezali kolamba ezali kolamba pe na sima ekobimisa lisusu eloko ya motuya oyo bakosala lisusu milangi ya sika oyo ekopesa nzela po ete bana yango bamokondi Kinshasa bamela mai mapeto oyo ekosala ete mai mana epesa bato bokono te kasi ezala mai oyo ewuti na milangi oyo oyo esalemi na lolenge ekoki mpenza na likambo litali mingi bopeto ndenge nauti ekoloba na bino ete kintoko yango ntango inso ezali kolokota milangi eona na mokolo na mokolo ezali kobimisa pene pene na toni enkoto zomi mobimba na mokolo to pe bilangi ena ntango bato bazali kolokota kozela nango awa kati na izine mokolo moko bakozwa toni pene pene na nkoto zomi mobimba ya toni mpo ete ekoka bongo kosala mosala mona ya solo ezali mpenza izine oyo esepelisi bambotama ya ekolo Congo Démocratique pamba te na nzela na yango bilenge ezala mpe bakolo balingi kosala mosala bakoya kosala mosala kati na izine ewana mpe bakozwa bongo mosolo oyo ezali bongo lifuti oyo ekopesamela bango na banzi bokolanda na nzela ya bilili Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali se na kati ya izine izine ena ezali mpenza monene na banzi ezali penepene na bametele soki kombe tokoki koloba na bino kasi ezali izine monene ezwami penepene ya esika oyo tobengaka beya tekala na quartier Kingabwa izine ewana ezwami kati na oyo esika na banzi tozali na moko ya biso kati na esika oyo ye azali bongo moko molobeli ya compagnie Angel ye azali wana ayebi mingi na likambo litali bongo izine ewana na banzi Jérôme Sekana bayimboka bazali kolanda yo okoki koyebisa bayimboka na mokuse tomoni ebakata na izine oyo etongami awa na quartier Kingabwa mosala nini izine wana ekosala awa engumba mokondi Kinshasa mpo na nini te o ekolo Congo Démocratique natondi yo botondi mama omoni kabakata ya izine oyo mokonzi ya mboka awuti koinogire ekosunga vraiment République Démocratique de Congo eza mbala ya liboso izine ya modele oyo etongama na ville na biso ya Kinshasa etongama na école na biso ya République Démocratique du Congo tina ya izine oyo ezali omoni ba biloko oyo biso tobwakaka ba matiti Kinshasa eproduisaka 10 000 tonnes ya matiti par jour oyo tobwakaka kasi na kati ya matiti wana ozana ba déchets organiques ezana ba plastique ezana ba carton siko oyo ba bouteille plastique esalaka mbeba na environnement na biso yango moto esalaka ba érosion yango moto ebendelaka biso ma maladie yango moto vraiment po esila na mabele il faut plus au moins 100 ans yango bakonzi ya molongo mobimba balobaka ke biloko wana lokola etondi pe na ba océan il faut koyeba ndenge ya korecycler yango yo omeli mai omeli masanga na yo mais obwaki mulangi mulangi wana ekoki kokende kocréer érosion ekoki kokende kokanga turbine ya inga tozanga courant ekoki kokende kobota bosoto nyonso wana il faut korecycler ba milangi wana il faut koyeba koclassifier yo mama oza kolamba na ndako
ordir ménagère na yo, il faut oyer ba que ozalana 3 sacs, sac ya liboso, ozuyo ba bengi ba déchets organiques, toloba, ba ndunda, ba nyama, ba biloko nyonso toliaka, wana de ba bezaka ba déchets organiques, oti yango na sac moko. Ozuipe nani mususu oyo ba bengi ba carton, hein? Na ba biloko mususu oyo lokola ba canette oti yango na paquet mususu. Mais bouteille plastique, molangi ya plastique, il faut ko bomba yango à part. Pona nini ekoki ko pesa yo misolo? Ekoki ko pesa yo misolo ndenge nini? Soki ozui 1 kilo, okoki ko teka yango na OK Plast, tozana plus ou moins 22 points d'achat de collecte ba conteneur ezali. Il y a oyo ezali plus que oyi na yo basombi. Alors tango basombi yango wana ezali na biloko ebele na kati, ba mayi, ba mabele, tout ça. Maintenant il faut ekene na oyo babengi centre de tri et compactage. Tozana moko soki ozokende na échangeur ya limeto, ozokende na aéroport okomona à droite wana totongi moko wana. Mais ya munene ezali awa na Kingabwa. Musala nango nini? Musala nango okokuta des milliers et des milliers de Congolais baza musala na bango ezali d'abord ko trier, hein, bati ba trier par couleur et puis ba compacter yango ma machine ya compresser yango ezali babalo. Babalo wana de matières premières ekoya na usine oyo. Sikoyo usine oyo de ezana capacité ya ko traiter 50 tonnes ya ba bouteille plastique par jour. Mikolo oyo tozo lokota na ville ya Kinshasa 25 tonnes par jour. Toza ko milengele poto banda ko récolter 50 tonnes par jour. Tango to koma na niveau wana 50 tonnes to lokoti, 50 tonnes to traité eko 5 eko tinda ke ville na biso ezala propre. Dala kaka bambula nyonso oyo eleki to bandaki ko accumuler ba déchets. Sikoyo izino oyo tina nango nini? Milangi na biso oyo to melelaka mai po ezala ma mulangi. Ba société congolaise ezali awa ba importaka oyo ba bengi ba intrant en granulé PET. Ezali lokola nani loso. Ba matière wana tosombaka yango mingi na Brésil, tosombaka yango mingi na Turquie, tosombaka yango mingi na Inde. Et na ville ya Kinshasa tozana besoin ya 2000 tonnes par mois. Sikoyo usine oyo au lieu que to banda to continuer ko importer 2000 tonnes par mois et ko banda déjà ko bongisa ko sala yango awa à partir ya ba bouteilles recyclées pour que petit à petit to koma soki to bandi ko sala 20% 30% ki parce que Kinshasa ils en a besoin à 5 usines ya mutindo oyo ki lokola gouvernement zoti ya poids to ko koma na niveau moko oyo que toko banda ko sala ko recycler ba bouteille en plastique ebele misole ko kende sous sur libanda te toko créer ba emploi toko pesa bato ba revenu yango ne ba bengi économie circulaire. Matondo mingi Jérôme Sekana tomoni wana mokambe ko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alongwe na ngambo esusu azali ko bele mapena ngambo esusu se kokoba kotala ba masini ndenge na ndenge oyo zwami kati na izini oyo tozwami awa na Kingabwa. Jérôme Sekana tomoni mokambe ko la koti sika na ngambo kuna nini akai kosala mokonzi azako kota wana na centre de compactage ya munene ya usine Kintoko. Ba centre lokola oyo esengeli tozala nango ebele ya munene nde oyo mususu na lobi na bino za na échangeur ya limité mokonzi auti pe ko visiter unité de traitement des eaux usées soki osali usine ya munene lokola oyo ba norme ezo senga ke mai ya bosoto oyo ekobima na usine ekota na ba rivière na biso te na ba fleuve na biso te sans ke ezala traité parce que soki elongwe awa ekozala na ba acide ekozala na ba déchets moko ekoki ko détruire environnement nanzoto pe ya bato yango usine ya nani ya traitement des eaux usées ezali wana mokonzi ya mboka aoti ko visiter yango awa mokonzi baza ko pesa ye ba explication na ndenge musala esala maka soki mituka eyi na ba conteneur wana nani na ba bouteille en plastique wana awa nde basala ka tri par couleur ba trier ba sti na ba sac ya minene ba compacter yango avant ekota na dépôt na biso na rappeler awa ke tozana plus de 5000 tonnes déjà
usine Oyo Ekutaki 15 millions d'euros pour notre salaire. Maintenant, nous Jérôme Sekama, Edith Chala, Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, et on a dit Kokende, on a dit Kotambola, Kota la usine et pour être, on a dit Penza Monene. Nayango, azali kolanda pe ndimbola iye bakambi ya misala ya izini oyo bazali kopesa ye ndimbola yoko yoko esika mosala ezali kosalema esika yoko yoko bazali kosala misala okati ya izini ewana editala nazongiselo maloba talisa na bayimbo kalolenge Félix Antoine Tshisekedi Chilombo azali kokoba kotambola okati ya izini. Merci Mami Mambwini. Kintoko est un projet bien réfléchi, un projet bien pensé et qui s'intègre bien dans l'économie circulaire appelée de tous les voeux par les Congolais, par le gouvernement de la République. Un investissement de plus de 15 millions d'euros, c'est un investissement qu'il faudrait bien encourager, mais aussi un moyen d'attirer d'autres investisseurs, parce que Kinshasa est une grande ville, la République est un grand pays. Il faudrait donc que ce genre d'investissement pilule à travers la République pour redonner aux villes congolaises des lieux de vie très assainis et un environnement sain pour garantir la bonne santé qui est indispensable pour tout développement. Voilà donc le chef de l'État numéro 1 de la République s'est lui-même déplacé. Il a visité toute la machinerie qui va avec l'investissement ici. Il a aussi visité l'usine de traitement d'eau qui est juste à côté. Vous avez vu sur vos écrans, il est là dans la salle de compactage et d'entreposage. Une salle qui est la plus grande mais qui a d'autres à travers la ville de Kinshasa pour recevoir les différentes bouteilles qui arrivent. C'est donc un projet qu'il faudrait bien saluer. Jérôme Sekana, je vous avais posé une question, mais à laquelle vous avez répondu. Oui, à travers le pays, dans les autres villes, comment on va procéder pour amener les bouteilles à Kinshasa? Qu'est-ce qui est mis en place? Voilà, nous avons un grand projet d'investissement. Voilà pourquoi nous demandons l'accompagnement du gouvernement. Il est prévu la construction de ce genre d'usines non seulement à Kinshasa, mais également à Lubumbashi et dans les chefs-lieux des provinces où la matière première qui est la bouteille en plastique pourra être facilement trouvable. Mais je voudrais ici féliciter le gouvernement parce qu'avec l'inauguration de cette usine, la République démocratique du Congo vient de prouver à la face du monde que non seulement elle est leader en termes de solutions aux enjeux environnementaux de l'heure, vous savez que la mutation énergétique ne peut pas se faire sans la République démocratique du Congo, mais en termes d'assainissement, on n'avait pas encore fait un pas. Et ce pas ici, il est décisif. Le pas est très décisif. La République démocratique du Congo mérite bien ce respect sur le plan environnemental. Nous avons beaucoup à faire, beaucoup à offrir au monde, parce que la nature nous a justement pourvu de beaucoup de potentialités. Wivin Diata, le président de la République, a visité Wivin. Maintenant, mingi mpangi dit chala mpangi luzolo beto banaka mbote beto me banaka kuma na suka ka beto meta na mbote na bifukula beke mona mfumu ya insi fix tanto ya sike chilombo ke na kata kutambula samu na kumona na meso kompani Kintoko yaya ya kesa la bisalu oke plas ya kubaka bami.